malgré des finances, du bactère. On a décidé, moi et mes frères, de s'offrir un voyage au bout de l'univers. Rien à faire si j'y gaspille le peu d'économie que j'ai, car cet aller-retour au fond n'est pas une question de budget. Depuis que j'ai décidé d'y aller, j'ai ce trop plein d'images en tête. La nuit je ne fais qu'en rêver, je me suis imaginé ces rues, ces allées, je repense à tous ces films accumulés au fil des années, les souvenirs comptés. Maintenant c'est moi qui pars accompagné de ma troupe au risque le faux départ, soit dans Jack nos bagages, soit dans la soute. On en rêvait déjà depuis tant de temps. Je crois qu'au taf les gens me soupçonnaient de faire semblant. Je prépare mes faf car le décollage est imminent. Donc on serre les fesses, 13 heures de vol. Je la bouge sans mal, c'est un facteur de stress. Tant pis, on se presse, on enregistre, on s'éloigne de la piste. Le pèlerinage commence enfin, dans la vie faut prendre des risques. Chacun observe et commence à causer. Première soirée arrosée, mec, l'ivresse est vive. Les paysages enivrent sur cette gigantesque ville. On pourrait écrire un livre. J'ai vu tant de choses sans voir passer les heures. J'ai pris une gifle énorme du haut du Rockefeller. Du downtown à Brooklyn en passant par le Bronx Zoo. Tu vois bien la surface et t'imagines ce qui se cache en dessous. Je voudrais pouvoir décrire l'air qu'on y respire. L'ambiance du Madison, je donnerais tout pour la ressentir. Please, laisse-moi refaire un shoot sur un playground de la 6ème avenue la nuit. Je rêve de cette station de métro sur la 4ème rue et je ris encore, pensant à Jamaïque, un fringant vendant de la weed en plein village, on en propose en haut, passant en passant sur toutes ces choses qui m'auront fait halluciner, comme si pendant une semaine on m'enfermait dans un ciné. Même le plus heureux des hommes trouverait sa vie bien austère. Au retour d'un tel voyage, l'atterrissage est difficile. On rêve de plier bagages, le moral ne tient qu'à un fil. Les buds ici n'ont pas la même saveur. Les contacts entre les gens manquent définitivement de chaleur. Je n'ai pas le cœur à sortir depuis que je suis rentré d'NYC. Je reste chez moi, j'essaie d'accepter l'idée que je dois vivre ici. Pour d'autres, la France paraît une destination de rêve. Pour nous c'est la routine, la grisaille, la galère, les jours de grève. Je me lève avec un pincement chaque matin depuis que je suis revenu. Je trouve ridicule nos bâtiments, nos avenues. Je n'ai vu sans doute qu'une partie infime de la grosse pomme. En une semaine évidemment rien n'est monotone. Du coup j'attends le prochain départ dans les starting blocks. En attendant de trouver les fonds, en fait c'est ça qui me bloque.